Franchement. Chut. Yo! Des millions de choses que j'aurais pu faire, je me retrouve à spit des barres coûteuses d'en face d'une bitch collectionneuse de boxeurs. Mais fucker, je te pardonne, ta bite varine. Je suis sûr que ta mère fourre son frère, que ton père fourre ses vaches, puis que le reste de ta famille roule leur air. T'es sérieusement profondément à chier. Tu penses que t'es Swift, bitch? Fuck ton moment de gloire comme Kanye. Sens encore la pisse. Tu dis que t'es jazzy puis que ton père te flippe un disque de Miles Davis. Tu connais rien, Chris. Tu penses que Michael Jackson, c'est un personnage fictif dans This Is It. Que Ray Charles se pique parce qu'il est diabétique. D'où? Je pense que c'est le temps d'avoir une bonne conversation, père-fils. Regarde-moi quand je te parle ou je te déshérite. Yo! Histoire! C'est vrai, un jour, Joe se lève après une épiphanie. Il se dit, yo! Je suis sûrement pas un leader, mais je ferais une crise de bonne brebis. Yeah! Fait qu'il va voir Monkey. Ensemble, les deux se mettent à fantasmer sur ce qu'ils vont être dans l'après-vie. Des couleurs qui dansent ou deux kiwis. Personnellement, je m'en calisse. Vous pouvez tout le dire à Dieu, Jah, Bouddha ou Ganesh. Joe RCA, c'est une merde qui sort d'un trou de cul de caniche. Ah. All right, guys. Yo! Pour Jean Joual, faire du whack shit, c'est rapper à sa façon. Le word up, c'est comme si on te coupait les jambes pis qu'on t'envoyait courir le marathon. T'es pas un dope rapper, on le voit dans ta face à la con. T'as plus la tronche d'un monstre dans maison hantée à la ronde. Ou du monôme cochon que j'ai honte de présenter à ma blonde. Après, t'as le visage d'un survivant de Tchernobyl. En combat, moi j'ai les skills de Batman, toi c'est à peine Robin, sauf qu'on sera jamais acolytes. Je fesse ta face horrible avec la portable de ma Batmobile. Ciao. Check it. Ta devise de vie, c'est vive le cheesy. Puis tu penses que t'as le soul d'Alicia Keys pis de Sasha Fierce? Je pense plus que t'as le franglais de Malik Shahid, le crâne de Chapik, les skills de Dali. Bitch, tac lick taï. Wong si fou, me fais une livre de riz pour que je te transforme en Sushi Maki. Moi, j'ai des sick combos comme les Harlem Globetrotters en train de ballin. Fait que t'auras beau m'avoir profond dans le cul, je t'ai torché plus que Charmin. Battle, on s'en va voir les juges! Oh, yo, ce battle-là était pour 100 piastres, on fait du bruit, you know? Hey yo, vulgaire, aka Nigga Rock, au Word Up 4, Joe RCA versus Jean Joual. Yo, c'est un battle très sick pour commencer. Je trouvais que Jean Joual, il était vraiment en train de step up sur le kid. But le kid, il a vraiment step up sur le grand monde. Puis, troisième verse, je suis obligé de le donner à Joe RCA. Puis, the winner, Joe RCA. Hey, yo, what's up? Ici, c'est Kasp! En direct du World of Battle, 4e édition. C'était complètement fou. Il y a beaucoup de monde, c'est chaud. Concernant le battle, Joe RCA contre Jean Joual, je trouve que c'est Joe RCA qui l'a emporté de A à Z. Sérieusement, je trouve même que ça a été un battle facile pour lui. Fait que je le donne à Joe RCA. Yes. What's up, c'est suspecté. Word up, 4e édition. Là, je suis juge en ce moment. C'était pas vraiment voulu. J'étais supposé avoir un battle. Je me suis fait call-out pour 500$ par un dénommé Scandale. Puis j'ai écrit pendant 3 semaines. J'étais prêt. Je l'aurais ouvert direct, mais il a choqué, même, soi-disant que mon crowd, j'avais trop un gros crowd qui aurait pu. Qui aurait perdu trop facilement, fait que là, il a choqué. Fait que si jamais t'es down, à Québec, j'ai pas de crowd. Fait que à Québec, si ça te tente, 500$, j'étais encore là, man. Moi, j'ai. Le bread, faut que ça rentre, là, n'importe quand. En tout cas, j'ai fait mon message. Pour le battle, Joe RCA, il a ouvert l'autre. Il s'attendait bien trop à ce que l'autre parle qu'il était jeune, tout ça. Il a flippé ça juste trop bien dans sa face. Et... Il y avait des bons punch quand même, Jean Joual, mais c'était beaucoup moins fréquent que Joe RCA. Fait que ça va Joe RCA straight up facilement, big up.
Yo, what's good, militant et kill activist? Now, I'm gonna faire some quick word of battle cap. Joe FCA contre Jean Joual. Honnêtement, yo, sérieusement, je pense de A à Z, Joe FCA était mieux préparé, mieux dominé. Donc, j'ai pas le choix de donner le battle à Joe FCA, des grosses lines, dès que j'entends du bon là-dessus de Trojan. Je disais que ça avait une bonne influence, mais overall, je pense que Joe RCA était beaucoup mieux préparé que Jean Joual, malgré qu'il y avait des bonnes métaphores quand même, je dois lui donner. Mais Joe RCA, honnêtement, donc, je sais pas où tu trouves tes affaires, mais ça ne lâche pas. So, Joe RCA, word of battle, 4 militants, fully quit, peace. Bon, on vient le chef. Qu'est-ce que vous pensiez, man? Je comprends pas. Les enfants, ils voulaient que je perde. Anyway, Jean Joual, Joe RCA, wow. Jean Joual est venu avec le même niveau de spitting que le premier ou deuxième round. Désolé Jean Joual, mais premier round, Joe RCA. Deuxième round, c'était le meilleur round pour moi de Joe RCA. Troisième round, je trouve que les deux... Mais j'avoue que le micro a coupé par contre, ça faut mentionner, le micro a coupé pendant le troisième round de Jean Joual. Fait que ça, c'est automatiquement, il était déstabilisé. Même là, je pense que Joe RCA avait quand même légèrement plus de punch que Jean Joual, mais j'ai fil le troisième de Jean Joual. Tu sais, parce que les gars, les deux, ils avaient comme des... un qui était trop jeune, l'autre qui était trop vieux. Hein. Mais je pense que Joe a dominé tout le shit que je vous donne à Joe RCA. Le résultat est unanime! Joe RCA! Yeah!